Et re à tous les amis, c'est Brasi, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour notre let's play de Spider-Man avec les aventures de Peter Parker face à plusieurs menaces dans sa ville donc à laquelle il doit faire face. Et c'est parti donc pour notre play, c'est la partie 11 de notre let's play. Donc let's go les amis. C'est parti. Comme d'habitude, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires hein, les amis, même si vous pouvez me parler. En direct parce que c'est des avant-premières donc j'ai fait exprès, vous avez le chat en direct quand même si je ne suis pas moi en direct, je vois vos commentaires, vous pouvez parler, vous pouvez laisser aussi des commentaires hein, pour me dire si le jeu vous plaît vraiment et sinon qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, il n'y a pas de problème les amis hein, c'est vous qui décidez, c'est vous les boss, c'est vous qui comptez, c'est grâce à vous que la chaîne existe et c'est grâce à tous les abonnés donc je compte sur vous pour me donner votre avis et que je sache un peu ce que je peux faire le plus ou le moins, ce qui vous aime le moins, ce que vous aimez le plus. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire les amis, voilà. Sur ce, je vous laisse avec notre let's play. Et on se retrouve tout à l'heure comme d'habitude. Bon visionnage. Capitaine Watanabe? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça? Et quand? J'en sais rien. Et il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Howard, ça faisait un bail? Comment va Pidgey? Il n'est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'ait retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Feriez ça? Oh, merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler? Yuri, je vais continuer à me renseigner sur le souffle du diable. Il faut qu'on trouve pourquoi Lee le veut. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hey, Peter, est-ce que je peux te rappeler? Écoute! Ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes? C'est juste que je suis un peu occupé là. On fait le point autour d'un dîner chez moi. Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toute. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner? Ouais, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Ah, bonjour docteur, comment ça va? Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard?
ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. Un nouvel appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Choisir d'aider ceux qui n'ont pas fait exploser l'hôtel de ville. Encore quelques costumes sympas et on pourra monter un top de catch. Je trouve un moyen d'arrêter les démons pour de bon. Vérifiez le blindage du BBT. Merci pour votre essai. S'en sortez très bien. Venez juste en renfort, rien de plus. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Et les démons. Bon, c'est pas mon fan club, mais je peux pas les laisser sans trophée. C'est bon. Il faut que je fasse plus attention.
je vois clair dans votre jeu, vilain ronchon. Je sais que vous m'adorez, et moi aussi je vous adore. Pigeon d'Howard. Ah, c'est parti! Ah, je suis content que mes pouvoirs soient utiles. Je crois que j'ai trouvé un des cousins de PJ. Il a des taches grises. Et je crois qu'il vient me tâcher ma tenue. Clarence, un vrai petit moustique, doublé d'un charmeur. Tapotez-lui la tête et orientez-le vers le fist. Il trouvera le chemin. Pas de problème. Je ferai pareil pour les autres si je les vois. Les occupants du dernier étage en ont vraiment marre de vos bêtises, là. Non mais inutile de me remercier, Sable. En fait, que ça coûte pas grand-chose.
Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Notre premier volontaire, le première classe Texidor, il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Vous n'avez pas chômé ? Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Il y a un problème ? C'est de ta faute, Norman, espèce de sale ! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais... Vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux... changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les O's. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un court jus. Pas top. Je dois dévier ce circuit.
Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Qu'est-ce que c'est ? Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer par la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas... Hé ! Mais lance-toi l'MK1 ! J'ai pas mal amélioré la capacité... Les démons ne se cachent plus. Ils attaquent la police en pleine rue maintenant. Tenez bon ! La cavalerie est au bout du fil ! Thank you.
les centrales de sable. La chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. Notre transport est pris pour cible dans les démons. Je vais donc choisir d'aider ceux qui n'ont pas fait exploser l'hôtel de ville. J'en ai tout, tiens. Coucou, MJ. Bon, je suis passé faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuisseau à l'œuf. J'arrive dans pas longtemps. On va en prendre plein la vue. De l'assurance. Oui, mais je me suis amusé. Une agression. Il faut que j'intervienne. Allez-y, frappez-moi. Attention, je rends les coups. Bon, voilà déjà la fin de notre LSP, donc j'espère que celui-ci vous a plu, donc n'hésitez pas à le commenter, le partager et le liker, donc c'est très important, hein, et me dire s'il vous plaît vraiment. Et sur ce, je vous laisse, passer une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye les amis, ciao ciao.